C'est pas vrai, il peut pas parler en français comme tout le monde. En tout cas, c'est la dernière fois que je vais chez les Bourbines pour un jubilé Tupperware. Non, c'est vrai, c'est trop fatigant, le voyage, le décalage horaire, le visa, les vaccins. Bon, alors, pour rentrer à Glan, il faut passer par où? Alors, Pfaficon, Atticon, Dieticon, Efreticon, Eurlicon, Salicon. Ça se confirme, elles sont nombreuses dans la région. Ah, ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouec? Salam alaikum, Kreuzzi! Je présente Hans-Peter Abou Mohamed Al-Mektoum, Zweifel. Mais bon, on n'est pas gâté. Bon, pour Lausanne, c'est quel quai? Il est sourd, Zizi Top? Pour Lausanne, c'est quelle heure, c'est quelle voie, c'est quel quai? Hein? Oh, toujours aussi aimable, ceux-là. Pour Lausanne, c'est quel quai? Je sais pas, moi, je vais à Genf. Ah ben, c'est le même! Et puis qu'est-ce que vous allez foutre à Genf? Je vais au salon de l'auto. Oh oui, c'est vrai, j'oublie, on est début mars. C'est la migration annuelle, la saison des amours, des hordes de Suisses allemands. Tous des mécréants. Qui viennent se faire déboucher le gicleur et lubrifier le piston. Chien d'infidèle. Avec toutes ces hôtesses à moitié à poil. Cochonne. C'est des putes, on dirait des putes, ils vont se faire des putes. Il faut tout faire péter. C'est pour ça que j'y vais. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette ceinture? C'est ridicule! Kopf meurt d'aminamant où j'ai mis la ceinture d'exercice. Ah! Nartine Mugdum Kopf! Un Suisse allemand kamikaze, un bon côté, ça en fait un de moins. Dis donc! Si vous voulez vraiment nous rendre service, c'est pas au salon de l'auto qu'il faut vous faire exploser, c'est au bureau des autos. Il faut que tous les cantons deviennent Suisses allemands! Oui, alors le Tessin, c'est fait. J'ai fait allégeance à l'État alémanique. Allégeance? Non, mais enfin, vous avez perdu le sens commun, mon pauvre ami. Vous allez vous sacrifier pour les jetons au fifre. Comme ça, je pourrai accéder au paradis, où il y a des jeunes Suisses allemandes qui courent toutes nues au ralenti dans des champs de géranium. Des fontaines de Cénovis. Des rivières de Ramseyer. Des arbres en ragusant. Des forêts de cervelas. C'est ça, le paradis des vrais hommes. Formidable, alors ça fait rêver. Oui, oui. Et pour les femmes, rien? Ah si, le paradis des femmes, c'est le top du top. Hein. Elles arrivent directement dans une immense cuisine, entièrement équipée mille et... Non mais ça tombe bien, je pensais justement changer de cuisine. Ah oui, mais pour ça, il faut d'abord se faire sauter au salon de l'auto. Hein. Si c'est que ça. Tip top extra, Abdoulila. Ah. Est-ce que tu viens faire allégeance? On va rhabiller les hôtesses, c'est la décadence, il y a urgence que tous les Suisses romands disparaissent. Tous les Suisses romands disparaissent, ça va pas? Non mais qu'est-ce que vous me faites dire? Les Genevois mais pas les Vaudois! Touche pas à mon gland! De toute façon, les Vaudois, c'est des Suisses allemands qui ont mal tourné, hein. Non, mais tu sais ce qu'elle te dit, la Vaudoise? Si c'est comme ça, tu peux y aller tout seul à Palexpo. De toute façon, si c'est pour qu'on se retrouve tout en barbe à papa, là, comment vous appelez ça, là, déjà? La burqa! Oui, voilà, c'est ça, burqa. Alors, on sait jamais si elles sont escrimeuses, apicultrices ou dans l'isoloir. Mais ça fait bien longtemps que c'est plus comme ça, la burqa. Maintenant, c'est moderne, c'est fashion. Vous voulez voir notre nouvelle collection? Oui, volontiers. Extra! Alors, on commence tout de suite avec Lisnot, qui nous présente le premier modèle de la collection hiver-hiver de Feuguelé. La burqa camouflage. Avec la burqa camouflage, vous emportez votre femme en pique-nique en toute discrétion. C'est pratique, il y a le grill incorporé. Oh, voici maintenant Marianne qui porte un modèle idéal pour la vie quotidienne. La burqa camisole. Oh. La burqa camisole, tip-top quand vous êtes devant la télévision pendant un match de foot. Comme ça, madame peut pas attraper la télécommande. Enfin, vous êtes complètement fous, c'est à vous qu'on prenne la maître. Oh, voici maintenant Lisa. Ville commune, bienvenue, welcome dans cette magnifique burqa cabaret. La burqa cabaret. Regardez-moi ça, comme c'est joli, toutes ces plumes. Hein. Oh, il en manque une. Je sais où elle est. Tancré, choukran, Lisa. Oui, c'est ça, choukran, bécasse. On continue maintenant avec la burqa catholique. Oh. La burqa catholique, le modèle qui rapproche les religions, présenté par Monique. C'est le modèle Ocumonique.
Voici maintenant Pierrette dans cette très élégante burka stagnetta. Ouh, la burka stagnetta. Ouh, paille, 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 la muletta. Ouh, me gusta la salsichon. Aïe, 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 aïe. Ça suffit, hein? Sinon, c'est la burka. Vous en avez une pour moi? Hey, la burka scouille. Alors, bon. Voici maintenant Steffi qui porte un modèle un petit peu plus psychédélique, la pour cannabis. Oh, la pour cannabis tip-top pour passer inaperçu dans le camping du Paléo. Hey, c'est bon, allez, maintenant retourne dans le coffre de la Mitsubishi, hop, allez. Enfin, ça va pas bien, vous n'avez pas honte de leur parler comme ça? C'est mes femmes, hein, je fais qu'est-ce que je veux avec. Et ça vous choque pas d'avoir autant de femmes? Mais si la cuisine est assez grande. Oh, pour les couples mariés, nous vous proposons maintenant la pour cachemire. Oh, la pour cachemire idéale pour caresser madame dans le sens du poil. Hein. Minimum 3 jours pour faire le maillot. Oh, et voici maintenant venu le temps des rires et des chants avec la pour Casimir. La pour Casimir, idéale pour animer les goûters d'anniversaire. Oui, c'est un modèle qu'on appelle aussi Gloopy Burka. Oh, et pour terminer, voici ma préférée. Oh, moi, mais vous êtes pas difficile, elle est grise, elle est fade, elle est triste. C'est la burka alter. Mais pourquoi vous avez avalé Kaboul? Regarde-moi cette belle, cette tête de nouveau. Et moi,